Hello tout le monde. Bonjour Twitch. Bonjour YouTube pour la rediffusion. Et c'est parti pour le live. Je ne sais pas si on m'entend. Le retour sur OBS, c'est pas mal. Dites-moi si vous entendez la musique. Pour celles et ceux qui sont présents. Bonjour Garak. Aujourd'hui ça va être vraiment chill. Je vais essayer de reprendre, corriger les erreurs sur mon Goku en Yadra et enchaîner avec un petit mollo que j'avais commencé en petit test. Donc si vous êtes prêts, je vous propose de démarrer. Et si vous êtes en train de manger, je vous souhaite un très bon appétit. Et bien, c'est parti. Le raccourci un petit peu léger pour le bras. Je vais essayer de le corriger. Thank you.
pas surtout à intervenir si vous avez quoi que ce soit à dire, même dire bonjour. Je sais pas si on m'entend. Je pense qu'on m'entend. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un petit live tranquille. Bon, j'essaie de corriger, de terminer ce Goku en Yardra. Yardrat. Vous dites comme vous voulez, on m'entend bien. C'est bien, c'est cool. Merci. Et une fois que j'aurai terminé ce Goku, je vais continuer un petit peu le molo que j'avais fait, toujours en chibi, que j'avais fait en test il y a 2 semaines, il me semble. Et rediffusion demain sur YouTube si vous souhaitez en voir ou en accélérer. Je sais pas, peut-être je ferai un accéléré. C'est vrai que ça doit être un petit peu pénible de regarder pendant 1h30 une personne qui dessine tout seul dans son coin. Ça dépend de regarder. Merci. Ah, ça me dépend de dessiner aussi. Plan unterzeichnet. Er hat damals gesagt, ich glaube nicht ohne ihre Hilfe.
c'est mieux que les dernières fois. Ça coupe pas au niveau de la caméra, ça coupe pas au niveau du bureau à distance. Le choix de changer les logiciels était pas mal. Salut McFly à Clave, bienvenue. Prends un verre. D'intensifier les ombres. On est que deux à avoir mis Yara, ouais. Donc, mais c'est le 17, le tirage au sort. Donc, si vous voulez, si vous voulez avoir une chance sur deux de gagner, n'en parlez pas. Mais si vous voulez qu'il y ait un petit peu plus de challenge, n'hésitez pas à partager.
passe bien. Pour l'instant, il n'y a aucune coupure. À la vôtre. Calme ce soir. Enfin, je vais lancer un sujet de discussion. Vous avez une idée? Tiens, hier c'était le jour de Goku au Japon. Il devait pas y avoir des informations. Il devait sortir comme quoi il allait avoir un nouvel arc au niveau de l'animé, où c'était uniquement pour les Super Dragon Ball Heroes. J'ai pas réussi à suivre. Si vous entendez la voix d'un enfant, c'est mon fils qui est à côté avec sa mère. Enfin, moi je l'entends, je sais pas si vous l'entendez.
vous êtes d'un calme ce soir. Olympien. Et vous préférez peut-être que je me taise aussi. Merci. Là, je rajoute des petites nuances de couleur histoire de le rendre un petit peu plus vivant. Et après, je vais reprendre Molo. J'ai vraiment hâte. Enfin, je sais pas vous. Mais j'aime bien ce personnage. Molo de Dragon Ball Super. C'est le... nouveau méchant en fait, qui a plus de 10 millions d'années. Et donc qui a des pouvoirs magiques. Et qui s'avère être un méchant plutôt sympathique. Alors moi, que j'aime bien. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Enfin, je sais pas où est-ce que vous en êtes au niveau de la lecture du manga. Molo, oui. Enfin, à la japonaise et à la coréenne, on le prononce Molo. Je sais pas français si on dit Molo ou Moro. Moro, ça fait un peu bizarre. Molo. Ouais, vas-y, Molo. Cette blague a été faite pas mal. Je ne la referai. Je l'ai commencé en fait, j'avais fait pour Molo, je l'ai commencé, j'avais fait le croquis de mon côté et j'avais commencé un petit ancrage vite fait, j'ai commencé vraiment vite fait sur un test pour la chaîne Twitch, hein, mais je n'ai pas fini et donc je me dis comme il y a du temps, ça va être l'occasion. Apparemment,
apparemment il va falloir que je relance le sketchbook. J'ai enregistré. Je vais juste faire petite. Hop. Je reviens tout de suite. Je suis toujours là. Juste, je relance. Ça, ça vous évite les désagréments de mon bureau qui est pas très joli. Hop. Ça devrait être bon. C'est relancé. On va voir si ça fonctionne. Bien, il n'y a pas de coupure ce soir, enfin à part Sketchbook qui a planté. Voilà, ça fonctionne. C'est un petit peu mieux déjà. Je trouve qu'il y a un petit lag, 40 fps. On va dire que pour du dessin, c'est pas du jeu vidéo, donc ça va aller. Dites-moi si c'est un petit peu gênant. Bon, on est pas mal. Juste changer pour... La signature, faire un truc un peu discret, mais que ça reste présent, c'est pas mal. Un petit peu de lumière dans les yeux. Et ben on est pas mal là pour le Goku en Yadra. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut dire qu'il est finalisé. À la vôtre. Si vous vous demandez ce que je vois, ce n'est que de l'eau. Merci McFly. Donc, est-ce que ça vous dit que je passe à Molo? Gomolo, oh, ok. Je vais juste un. Ah. Juste un petit fond. Histoire de dire.
avant de lui dire au revoir, on va juste faire un petit contour en fondu blanc. Quels sont vos projets pour ce week-end? Essayons d'avoir une discussion. Moi, mes projets pour ce week-end, c'est de continuer le visionnage des Star Wars avec mon fils, qui a 10 ans. Je l'initie d'une à Dragon Ball, l'univers étendu, et à Star Wars. Et il accroche pas mal aux deux. Plus Dragon Ball que Star Wars. Mais il aime bien. Je sais pas si vous avez vu sur mon Twitter, j'ai lancé un petit concours histoire de gagner quelques petites cartes. J'ai lancé durant le jour de Gohan, donc le 8 mai. Et donc c'est pour gagner, c'est pour. Je vais réussir à parler un jour. Donc oui, ça a eu lieu le 8 mai et donc je vais faire le tirage au sort, je sais plus quand. Galak, tu me dis que tu prépares ton mariage le 8 juin. Ça arrive très vite, ça va arriver très très vite. Plus vite que tu ne le crois. Et félicitations. En avance. C'est cool. On a fini pour ce Goku Yardra. Je vais l'afficher un petit peu plus grand. On va l'enregistrer. Je m'aperçois que mon micro est un petit peu. Pardon. Donc, le Goku Yardra est terminé. On va passer sur du Molo. Je vais juste vous mettre ce petit screen pour patienter. Et on va lancer Molo.
Bon, il est un petit peu grossier, on va dire. Dites-moi si ça vous ennuie. N'hésitez surtout pas. Surtout pas. Si je peux y répondre, ce sera avec grand plaisir. Je ne dis pas que j'ai réponse à tout. Hein. Pour le coup là, le mollo il est un petit peu en mode sans trop de référence, avec référence, mais c'est vraiment un peu plus comme moi je le sens. Si vous avez à me conseiller, n'hésitez pas. Galak nous dit que ce perso impose, il a un charisme de fou comme méchant, ça faisait longtemps dans Dragon Ball, et je suis plus que d'accord, ça manquait pas mal, d'ailleurs je trouve on a été pas mal déçus avec le tournoi du pouvoir, il y a pas mal de persos que j'aime bien quand même, mais qui ont été pas ou peu développés, et là le...
L'arrivée de Molo, ça fait poser quand même pas mal de questions. J'ai hâte de voir la suite. D'ailleurs, avec Mayimbu, je trouve qu'il va y avoir plein de bonnes surprises, j'espère. Et que ça finisse pas en nœud de boudin. Oh, vieille expression. Désolé, je suis de 78, les gars. T'aimerais pas créer un manga? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où je suis en train de développer un univers et quelques caractères. Ça fait 3 ans que je suis dessus. Et non, parce que justement, ça prend beaucoup de temps. Surtout quand on est tout seul et... Surtout quand on est tout seul, en fait. Mais ça doit être vraiment une très très belle expérience. Je sais pas si j'arriverai à m'y tenir et à sortir justement cette histoire. Ce sera plus une histoire illustrée qu'un manga même. Thank you.
Ah, vous êtes de nouveau très silencieux. Ah, vous êtes peut-être en train de manger? Pardon. J'ai une petite heure de live, on va essayer de pousser à une heure. Je dois vous avouer, c'est chiant à dessiner les cornes de bouc. Et je voudrais essayer de le détailler un petit peu plus. Je suis loin d'avoir fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'il est un petit peu bancal.
Il prend forme, oui, doucement. Mais sûrement, comme vous voyez, c'est vraiment un croquis plus que grossier. D'habitude, je travaille mieux mes croquis. Mais c'était vraiment pour un live précédent. Et donc, j'y suis allé un petit peu à la va comme je te pousse. Ouais. 2019. Va comme je te pousse. Pardon. Pantalon vachement bouffant en fait. Je ne le terminerai pas ce soir, hein, mais on va essayer de l'avancer un petit peu plus. Et là, on s'aperçoit qu'il a un pied qui est difforme.
je doute avoir le temps de le terminer cette semaine. Alors je dois retourner au travail. Bonne fin de live, merci à toi. Merci à toi Garak. Galak. Et au plaisir. Ça m'a fait vraiment très plaisir. D'accord. De toute façon, dans 15 petites minutes, on va se dire au revoir. On va rester tranquille. On va continuer un petit peu le live. On va faire un petit peu de croquis en fait. Croquis que je reprendrai certainement la semaine prochaine pour finaliser ce moulot. Si vous avez des questions, c'est le moment. Pour celles et ceux qui restent. D'ailleurs, petit moment de pub. Si vous voulez me filer un coup de main sans débourser le moindre centime, juste un petit peu de votre temps, vous pouvez venir sur Tipeee. Voilà, c'est juste petit moment de pub. Je vous emmerde pas plus avec ça. Donc Tipeee, Art of Video. Ça me fait un petit coup de pouce, juste à regarder 2-3 clips. Et ce sera très gentil. Voilà. Attends, j'enlève ça. On n'a rien vu. Enfin, si vous l'avez vu, vous y êtes allé. Bon, on va continuer. Tipeee, McFly. Oui, le Tipeee. Ah bah j'ai perdu une personne en parlant de Tipeee. C'est dommage. Ah, cette personne qui est partie. Allez, on va lui faire ses petits yeux à Molo. Et ensuite, on va pouvoir se dire au revoir. Alors, on va utiliser l'outil. D'ailleurs, s'il y a des dessineux dans le coin, je serais curieux de savoir quel logiciel vous utilisez pour dessiner en fait en général. J'adore Sketchbook. Avant, j'utilisais tout le temps la version Pro. D'ailleurs, quand je donnais des cours au lycée à mes petits élèves,
genre présenter toujours le logiciel, et vraiment c'est un très très bon logiciel gratuit et léger. Je sais que beaucoup utilisent Photoshop, que je trouve très lourd et très cher. McFly dit qu'il ne dessine pas et qu'il va que je vais lui apprendre. Bah, avec plaisir. Comme tout le monde, j'ai commencé avec une feuille et un crayon que j'aime moins utiliser maintenant. Je suis beaucoup plus dans le numérique. Mais bah, si t'as des questions, justement. J'ai quand même envie de lui faire un petit nombril. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas mignon comme ça. On va l'enregistrer. Eh ben c'est bien cool. Bah je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas. Je vais trinquer une dernière fois avec vous avant de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, vendredi, midi. Et d'ici là, si vous avez des suggestions pour le prochain live, déjà je vais finaliser le mono qui est en cours. Et donc si vous avez des idées, que ce soit dans l'univers de Dragon Ball ou autre. Donc pour celles et ceux qui regardent la rediffusion, dans les commentaires. Et mon gant, c'est pas parce que j'ai mal, c'est juste pour éviter la transpiration sur la tablette que j'utilise pour dessiner. C'était cool, merci. Merci McFly, merci à celles et ceux qui étaient présents et présentes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. Rediffusion du live demain sur YouTube, sans faute. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans être trop acerbe. À la vôtre. Et bonne journée.